Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club pour la partie du lundi. Le lundi, c'est une partie aléatoire, complètement aléatoire, bon, tirée par l'ordinateur, mais je n'interviens pas ni pour annuler un coup, ni pour sélectionner un tirage comme je peux faire pour les autres parties. C'est vraiment dans les mêmes conditions que si nous jouions en tournoi officiel. Voilà, donc partie aléatoire, vocabulaire complet, forcément. Comme d'habitude, trois temps de réflexion qui sont proposés. Vous avez trois versions, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes par coup. À l'issue, un décodage complet de la partie. On passera en revue dans un premier temps tous les coups de la partie pour voir isotope et principaux sous-top. Nous verrons également les définitions des mots peu courants et les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues plus en avant. Voilà. Je crois que je vous ai dit le principal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne partie. Je crois que j'ai oublié de dire quelque chose, mais je ne sais pas. C'est pas grave, ça va me revenir. Alors, aucune lettre devant vous. Voici Tunisie T. Zambie Z, Uruguay U, Suisse S, Jordanie J, Norvège N, Océanie O. Vous jouez avec Tunisie, Zambie, Uruguay, Suisse, Jordanie, Norvège et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points. Horizontalement en H4, nous posons Juton. J-U-T-O-N sur la case centrale et S. Juton, J-U-T-O-N-S, H4. 42 points. Une lettre au reliquat, Zambie. On ajoute Roumanie R, Norvège N, Égypte E, Joker, lettre blanche, Italie I, Uruguay U. Vous jouez avec Zambie, Roumanie, Norvège, Égypte, Joker, Italie et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 116 points. Le joker sera un A d'Algérie, verticalement en 4 H en partant du J de Juton, nous descendons Jauniret. J, Joker A d'Algérie, U, N, I, R, E, Z. Jauniret, J, A, U, N, I, R, E, Z, en 4 H. Ça vaut 116 points. Au reliquat, aucune lettre après ce Scrabble. En voici cette nouvelle. Océanie, O. Roumanie, R. Italie, I. Roumanie, R, deuxième. Norvège, N. Venezuela, V. Italie, I, c'est le deuxième. Vous jouez avec Océanie, Roumanie deux fois, Italie deux fois, Norvège et Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 26 points, horizontalement en G7, en collant au-dessus des trois dernières lettres de Juton. Nous posons Novi. N-O-V-I. Verticalement, trois mots sont ainsi formés. No, N-O, on, O-N et versus, V-S. Novi, N-O-V-I. G7, 26 points. Trois lettres au reliquat, Italie, Roumanie deux fois. On ajoute Tunisie T, Algérie A, Danemark D, Égypte E. Vous jouez avec Italie, Roumanie deux fois, Tunisie, Algérie, Danemark et Égypte. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-trois points. Vous ferez très attention à la solution retenue. Verticalement en 8A, en appui sur on. Déjà sur la grille, nous descendons. Radieron. R-A-D-I-E-R. Le O de Novie, le N de Juton et le T. Radieron. R-A-D-I-E-R-O-N-T en 8A. Ça vaut 83 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Kenya K. Kenya. Suisse S, Italie I, Égypte E, Algérie A deux fois, Uruguay U. Vous jouez avec Kenya, Suisse, Italie, Égypte, Algérie deux fois et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 49 points. Verticalement en 3i, en collant à gauche de Jauniret sur 4 lettres, nous descendons KEA, K-E-A-S. Au passage, on forme K, K-A, U, E-U, en A-N et SI, S-I avec les lettres de Jauniret. KEA, K-E-A-S, en 3i, ça vaut 49 points. Un reliquat de 3 lettres, Algérie, Italie, Uruguay. On ajoute Joker, lettre blanche. Portugal P, Égypte E, Wallonie W. Vous jouez avec Algérie, Italie, Uruguay, Joker, Portugal, Égypte et Wallonie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. points. Le joker sera un S de Suisse. Horizontalement, en O1, en appui sur le Z de Jauniret, nous posons Soisy. Joker S de Suisse, W A Z I E. Soisy, S W A Z I E, en O1. Ça vaut 69 points. Deux lettres au reliquat Portugal et Uruguay. On ajoute Belgique B, Italie I, Canada C, Égypte E et Tunisie T. Vous jouez avec Portugal, Uruguay, Belgique, Italie, Canada, Égypte et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 27 points, horizontalement en F10 en partant d'au-dessus du I de Novi. Nous posons PICT, P-I-C-T-E, PICT, P-I-C-T-E en F10, ça vaut 27 points. Deux lettres reliques à Belgique et Uruguay. Complétons avec Italie I, Algérie A, France F, Italie I deuxième, Uruguay U. Vous jouez avec, pardon, Uruguay c'est le deuxième également. Vous jouez avec Belgique, Uruguay deux fois, Italie deux fois, Algérie et France. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 21 points. Attention à la solution choisie horizontalement en N6. En partant au-dessus du E final de Soisy, nous posons beau. B-A-U. Le B formant B avec le E de Soisy. Beau, B-A-U en N6. Ça vaut 21 points. Un reliquat de 4 lettres, France, Italie deux fois et Uruguay. On ajoute Égypte E, Maroc M et Luxembourg L. Vous jouez avec France, Italie deux fois, Uruguay, Égypte, Maroc et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Trois points. Verticalement en 8L, on appuie sur le U de beau, nous descendons fluet. F-L-U-E. Fluet, F-L-U-E en 8L. Ça vaut 33 points. Quatre lettres reliquées à Italie, deux fois Maroc et Uruguay. On ajoute Venezuela, V. Suisse, S. Portugal, P. Vous jouez avec Italie, deux fois Maroc, Uruguay, Venezuela, Suisse et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 34 points. Verticalement en 15F, de façon à mettre un S au bout de pit. Nous descendons suivi. S-U-I-V-I. Le S mettant pict au pluriel. Suivi, S-U-I-V-I, en 15F. Ça vaut 34 points. Deux lettres au reliquat, Maroc et Portugal. On n'ajoute rien, on va rejeter le M et le P, on rejette les deux lettres. Et voici un nouveau tirage, Maroc M, Roumanie R, Algérie A, Égypte E. Roumanie R, c'est le deuxième. Yougoslavie Y. Et Luxembourg L. Vous jouez avec Maroc, Roumanie deux fois, Algérie, Égypte, Yougoslavie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-six points. Verticalement en 13C, en appui sur le T de Pict, nous descendons Martyr. M-A-R-T-Y-R-E. N'oubliez pas le E final. Martyr. M-A-R-T-Y-R-E en 13C. Ça vaut 56 points. Une lettre au reliquat, Luxembourg. On ajoute Égypte E, Océanie O deux fois, Danemark D, Norvège N, Égypte E deuxième. Vous jouez avec Luxembourg, Égypte deux fois, Océanie deux fois, Danemark et Norvège. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Trente points. Verticalement en 5G, on appuie sur le U de Juton et pour coller à droite de Jauniret, nous descendons Luné. L-U-N-E-E. Au passage, on forme Can, K-A-N, U-E-U et Anne, A-N-E, avec les lettres de Kea et de Jauniret. Luné, L-U-N-E-E, 5G, ça vaut 30 points. Lettre reliquat, Danemark, Océanie, deux fois. On ajoute Océanie, O, c'est le troisième. Égypte, E. Hongrie, H. Algérie, A. Vous jouez avec Danemark, Océanie, trois fois, Égypte, Hongrie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quarante et un points. Verticalement en 12D, on appuie sur le C de Picte et en collant à gauche de Martyr, nous descendons Oka, H-O-C-A. Au passage, on forme A, H-A, Or, O-R et A-I, A-Y. Oka, H-O-C-A en 12D. Ça fait 41 points. Quatre lettres reliquats, Danemark, Égypte, Océanie, deux fois. On ajoute Maroc, M. Égypte, E, c'est le deuxième. Et Québec, Q, Québec. Vous jouez avec Danemark, Égypte deux fois, Océanie deux fois, Maroc et Québec. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 25 points. Horizontalement en J14, sur le deuxième I de suivi, nous posons qui, Q, I. Qui, Q, I en J14, ça vaut 25 points. Reliquat de 6 lettres, Danemark, Égypte 2 fois, Maroc, Océanie 2 fois. On ajoute Grèce, G. Vous jouez avec Danemark, Égypte 2 fois, Maroc, Océanie 2 fois et Grèce. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt et un points, horizontalement en E5, faites attention à la place, c'est en E5, on appuie sur le E de Radiron, et pour mettre un E devant Pi, nous posons EDEM, O, E, D, E, M, E, le E final transforme en EPI. EDEM, O, E, D, E, M, E, en E5, ça vaut 21 points. Deux lettres reliquats, Grèce et Océanie. On ajoute Suisse S. Océanie O, c'est le deuxième. Algérie A. Canada C. Uruguay U. Vous jouez avec Grèce, Océanie deux fois, Suisse, Algérie, Canada, Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Vingt-trois points verticalement en 6H. En partant du T de Juton, nous descendons TA, T-A-S. Transforme CAN en CANA et on met un S au bout de U, E-U-E-S. Donc TA, T-A-S en 6H. Ça rapporte 23 points. Reliquat de 5 lettres, Canada, Grèce, Océanie 2 fois et Uruguay. On ajoute Égypte E, Belgique B. Vous jouez avec Canada, Grèce, Océanie 2 fois, Uruguay, Égypte et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le maximum à 20 points. Faites attention à la solution choisie. Verticalement, en 12i, en partant de la gauche du E de martyr, nous descendons bouge. B, O, U, G, E. Le B forme B, B, E avec le E de martyr. Bouge, B-O-U-G-E, en 12-I. Ça vaut 20 points. Deux lettres reliquats, Canada et Océanie. On ajoute Danemark D, Xénophon X, Tunisie T, Norvège N, Roumanie R. Vous jouez avec Canada, Océanie, Danemark, Xénophon, Tunisie, Norvège et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 43 points. Verticalement en 6B, on appuie sur le premier E de œdème. Nous descendons codex. C-O-D-E-X. Codex, C-O-D-E-X en 6B. Ça vaut 43 points. Lettres reliquats, Norvège, Roumanie, Tunisie. Nous allons rejeter ces trois lettres. On rejette le N, le R et le T. Et voici Maroc, M. Norvège, N. Tunisie, T. Uruguay, U. Tunisie, T, c'est le deuxième. France, F. Luxembourg, L. Vous jouez avec Maroc, Norvège, Tunisie deux fois, Uruguay, France et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt et un points. Verticalement en 14B, pour coller à droite de martyr des premières lettres, nous descendons fun, F-U-N, au passage en forme mu, M-U, et en H-A-N. Fun, F-U-N, 14B, 21 points. Quatre lettres au reliquat, Luxembourg, Maroc, Tunisie deux fois. On ajoute Algérie A, Suisse S deux fois. On joue avec Luxembourg, Maroc, Tunisie deux fois, Algérie et Suisse deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Maximum à 35 points, verticalement en 15A. Pour coller à droite de Fun, nous descendons Matt, M-A-T-S. Nous jouons 4 lettres, hein. M-A-T-S. Au passage, on forme Fa, Mu, M-U-T et en H-A-N-S au pluriel. Donc Matt, M-A-T-S, 15A. Ça vaut 35 points. Trois lettres reliquats, Luxembourg, Suisse, Tunisie. Ajoutez Portugal, P. Égypte, E. Luxembourg, L. Tunisie, T, c'est le deuxième. Luxembourg, L, c'était aussi le deuxième. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Suisse, Tunisie deux fois, Portugal et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en N11. Pardon, en N12. Excusez-moi, c'est en N12. Pour mettre un S au bout de bouge, nous plaçons 7 SE. 7, S-E-P-T en N12. Attention à la place, c'est le S qui vient au bout de bouge. Et on a joué, et attention à la solution, on a joué 7 S-E-P-T en N12. Donc je le répète, pour 21 points. Trois lettres reliquats, Luxembourg deux fois, Tunisie. On ajoute Égypte E deux fois. Grèce, G. Et Norvège, N. Vous jouez avec Luxembourg deux fois, Tunisie, Égypte deux fois, Grèce et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé.
15 points. Verticalement en 15L, nous posons tête. T, E, T, E. On appuie sur le T de 7. Tête, T, E, T, E, en 15L. Faites attention au mot choisi. Ça vaut 15 points. Tête, T, E, T, E. Quatre lettres reliquats, Grèce, Luxembourg deux fois et Norvège. On ajoute Algérie A, Luxembourg L, c'est le troisième, et Italie I. Vous jouez avec Grèce, Luxembourg trois fois, Norvège, Algérie et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-et-un points. Horizontalement en K10, on appuie sur le U de bouge. Et ce sera le dernier coup de cette partie aléatoire du lundi. Nous posons donc, je disais, en K10 sur le U de bouge, gluer. G-L-U-A-I. Le I formant QI avec le Q de qui. Glué, G-L-U-A-I, en K10, ça vaut 21 points. Ça termine cette partie en 23 coups, sur un top cumulé de 872 points. 872 points pour 23 coups. Partie qui a démarré un peu sur les chapeaux de roue, et puis qui a fini par s'empâter un petit peu, avec plein de petits coups sur la fin. À partir du 10e coup, là on a beaucoup de solutions à 30-20 points. Allez, on va décoder tout ça tout de suite. Alors, un décodage complet en trois temps. Premier temps, on revoit la partie pour examiner les isotopes et les principaux sous-topes. Deuxième temps, les définitions des mots plus courants. Je ferai défiler, dont je donnerai lecture dans le rectangle vert à gauche de la grille. Et troisième temps, ce sera un autre affichage, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues précédemment. Voilà, et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent de vocabulaire à retenir, donc que je vous propose, que je vous invite à retenir. C'est pas une obligation, bien sûr. Donc une première ligne qui sont des mots issus de la partie directement, voilà, on les a joués en top, en sous-top, on pouvait les... où ils en découlent. Par exemple, à un moment on avait en sous-top, on avait bitu avec un seul T, je vous ai mis la... Oui c'est ça, je vous ai mis la version aussi avec deux T, hein, tant qu'à faire, voilà. Martyr avec un E ou sans E, alors sans le E... C'est un adjectif ou un nom, et le martyr, pour désigner la personne qui subit le martyr, et martyr avec un E, c'est le fait de martyriser. Voilà. C'est compliqué la langue française. Hein. Voilà.
Voilà, une petite ligne de mots qui défile. Et puis en dessous, je vous ai mis, puisqu'on a joué Soisy à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais leur mettre une petite liste avec les mots jusqu'à 7 lettres qui contiennent à la fois un W et un Z. Voilà, donc ça défile en bas jusqu'à 7 lettres, hein, de Vite, WITZ, à Zwanze, ZWANZER, participe passé invariable, c'est un verbe. Et donc vous avez Gwerz, Soisy, Wenze, Gewürz, Kwanza, Gwerz, QWERTZ, Zawiya, Showbiz, Webzine et Zwanze. Donc voilà. Et donc on y va pour le décodage de cette partie. Donc au premier coup, une seule solution permettait de doubler le J et le mot. Et puis pour le Z, il n'y avait rien de faisable malheureusement. Sinon, ça aurait fait plus. Donc jutons, du verbe juter. On verra la définition tout à l'heure, mais vous connaissez sûrement faire du jus en fait, en parlant des fruits. Participe passé invariable. Zou, Z-O-U, zut, ça fait 24. Et jus, J-U-S, ça fait 20 points. Alors ici, EZ, REZ, IREZ, IEZ, le Joker, tout ça permet plein de possibilités pour scrabbler. Alors sur le J, c'est une place intéressante puisqu'on a un mot double à proximité. Donc on a injurier qui faisait 96 et jauniré qui va aller placer le Z sur la case bleu ciel. Donc ça fait augmenter le score de façon considérable. 116 points, le Z double, le J dans le mot double. Soutope en quadruple, joker G. Alors, c'est pas évident. Zinger. Quand on a un joker, un U, enfin là, en l'espèce, on va considérer qu'on a deux U puisqu'on cherche sur le U du jeton. Quand on a un joker et deux U, il faut penser au joker Q ou joker G. Voilà, avec la séquence GU ou QU. Parfois, ça nous ouvre des possibilités. Et là, c'est le cas. Zinger, ça fait 114 points. Un très joli coup avec un gros top et un gros sous-top. 85, ensuite on descend avec nuirier, nuirier en collant sur trois lettres avec le Z qui double. Ruinier, c'est pareil. Et puis après, on décale. Qu'est-ce que c'est ça, ruinier aussi? Insurgé, le Z double, Joker G. Induré, nitruré. Après, c'est les petits Scrabble 70, 69, nouerrier. Enrouiller, renouiller, usinerer, etc., etc., tournier, suzerain, verjuton, c'était le Benjamin, il fallait y penser, oui, j'ai oublié de vous le dire, verjuton, le verbe verjuter, devant juter, on peut mettre VER, et là, vous voyez, ça va jusqu'au triple. Alors, si on n'avait pas eu la possibilité de scrabbler, ben, ça aurait été un top assez sélectif. Jeûner, jeûnier, ça faisait 44, et donc tout ça, c'était sans scrabler. Le coup suivant, en G7, ça faisait 26, avec le V en pivot sur la case bleu ciel, voire en 3I, 25, virion en 9G, 23. Ovin, Ovni en G8, ça fait 22. Après, alors là, on a des possibilités de scrabbler. Déterré en double à 72, rendré en double à 68. Et c'était les deux solutions doubles accessibles, on va dire. Et en triple, on a, si on pense à faire ERONT en double appui, on a deux solutions, dréeront du verbe drayer. Et radieront du verbe radier. Ensuite, ailleurs, on a durerait, retendrait, qui fait pas grand-chose puisque ça ne triple plus. Redirait, riderait, 61, 60. Et zaïre. Voilà, après on a le Z hein, pour rattraper un peu, pour marquer 39 points avec irer, rier, ou zaïre 42, et ensuite ben, déjaunirer 26.
Le tirage suivant nous permet de jouer Kea en Koh-Lanta avec le K en pivot sur la case bleu ciel. Ça fait 49, on enlève le S, on est à 46, on change de lettre, mais c'est les mêmes valeurs, 46 aussi. KA au même endroit, 43, et puis après c'est le Z de Jouniré qui nous intéresse, Sué usé, ça fait 39, et Ugaz en 11D qui met Novi au pluriel, 36. Le tirage suivant, Soisy, jolie solution, à 69 au féminin et à 66 au masculin. Vite, au même endroit, fait 63. Pilo en F10, le P triple en pivot sur la case bleue foncée et le W qui triple, ça fait 51. Petzé, c'est un verbe, je vous le rajoute dans les définitions, je ne l'avais pas prévu celui-là. Ça fait 48, Petza, Piedz, Pizza, etc. 45. Le coup d'après, publicité sur LI. On n'a pas LI. Alors, Pict à 27, le P en pivot sur la case bleu foncé. Au même endroit, Bitu, ça fait 25. Alors, ça passe aussi en M6. En N6, pardon. Voilà, donc en F10 et en N6, on a Bitu et Cuit à 25. Après, Bipé à 24, deux endroits. Bon, les deux places avec la case bleu foncé au-dessus du E de Soisy ou du I de Novi sont des places intéressantes. Cube, Cubi, Puce, tout ça, ça fait 24 points. Le coup suivant. B ou Bo à 21. J'ai retenu Bo pour se débarrasser d'un U, sinon le reliquat n'était pas très agréable. Au même endroit, bas, bi et bu sont à 20 points. Et fuité en 13C, ça fait 20 points aussi. Le tirage suivant comporte un F qu'on va aller placer sur la case bleu ciel en 8L pour aller tripler le mot 33 points avec flué. Au même endroit, un peu moins avec meuf, le M double et le mot triple. Feuille à l'horizontale, ça fait 24 points avec le F en pivot sur la case bleu ciel. Alors feuille. FEIL. Hein. Feu FEU au même endroit, 22. Fluet au même endroit, 23. 14A, 14B. Filmé, E3, E4 aussi. Ça fait 20 points, tout comme Moufti en 13C. Le tirage suivant, suivi en triple, avec picto pluriel, ça fait 34. Au même endroit, Siom est à 25, tout comme Spi, Sup, et puis ensuite on tombe à 23 avec Puy, PUIS qui fait Ska. Tirage suivant, le T de Pict, le C de Pict aussi sont des places intéressantes pour doubler, éventuellement avec le Y qui double aussi. Alors on a Lirera ici en M8, Millard en 14J avec le M en pivot sur la case bleu foncé, ça fait et le mot double, ça fait un joli score, 45. Lirera Y double mot double 50. Martyr Y double mot double 52. Et 4 points de plus avec le E supplémentaire qui double aussi. Donc on monte à 56. Autre solution intéressante, Amil en K11 pardon, qui m'est suivi au féminin. Et à la verticale qui double en 14i. Alors là, il y a plusieurs solutions à 38. On va rajouter Myrtal sur le T de Pict. Le coup suivant. Voilà, à partir de là, on va jouer que des petits coups. Il n'y a plus de Scrabble là. Alors, 30 points avec une jolie petite collante là qui fait un carré de 9 sur 9, de 3 sur 3, Luné et E.
Sous top, on rajoute 2 dés, le préfixe dés devant venire pour 26, dol en 2H et enol en 2G sont à 22 en formant Oka et Léou. L-E-U. Le tirage suivant, une petite solution sympathique, là, Oka avec le H en pivot sur la case rose et le A qui récupère le Y de martyr, ça monte à 41 points. Do DAW en 2M, ça fait 26, tout comme la série des A et O, H, A, H, E, H, O en 14J. Voilà, avec le Y en pivot sur le H pardon, en pivot sur la case bleu foncé, c'est un classique technique à retenir. Le tirage suivant, une drôle de tête, 2 O, 2 E, 2 Q. Et ben on va poser juste le Q. En J14, 25 points. Mort MORD en E11 est à 21. EDEM également en E5. Mort, c'est une petite collante. MED MODE en 14J, 17. EDEM sous top du coup précédent va devenir le top ici. Égalé par Mort, toujours MORD. Le M en pivot sur la case rose. 19 points avec DOGME en 12I. Et 24 et pardon 16 en E4. Goody en D4 est à 16, tout comme Eudem qui passe également en E3. Mais pour le top, on l'a retenu en E5, formant Epi et marquant donc 5 points de plus. Et on a retenu Eudem par rapport à Mort pour l'ouverture de la grille sur le quart nord-ouest. Alors, TAT et AS, bon, rien de folichon. Alors, je vais rajouter Kagou dans les définitions. Au pluriel à 22, au singulier à 20 points. 20 points, c'est également le score de Focus en L8 et de SUSA en 2F, formant Akan. Le coup suivant. Alors, plein de solutions à 20 points. Blog, ici, avec le B. En pivot sur une case bleue ciel, avec une lettre de plus, le R ou le S, puisque c'est un verbe, on aurait pu faire un plus gros score, mais on n'a pas tout ça. Et à la verticale en 12i, bog, book, cob et cube, on a retenu bouge, évidemment, pour les rallonges, A, E, R, S, Z. Sachant qu'il n'y a plus de Z et qu'il n'y a plus de R, a priori. Ah si, si, on a encore un R. Bon, bref, peu importe. C'était quand même la place la plus intéressante. La solution la plus ouvrante pour la suite. Bloc et club en M7 sont à 19. Plein de petites solutions à compter pour être sûr de ne pas rater un point. C'est une fin de partie assez technique et il faut rester concentré. Alors, le coup suivant, le X, on cherche les cases bleu foncé, bingo, en colonne 6, on a le derrière EDEM, là. X31, TEX32, Cortex39 et Codex qui triple également le C, ça fait 43. En M11, Detox et Redox sont à 30 en mot double. Le coup suivant, Fun, bon, rien d'extraordinaire. Feu, FEUS, FLENU, MEUF, MJ2, M10, M11, TUF en 13M, ça fait 16 tout ça. Ensuite, MAT, MATS, 3 points de plus que LATS et TAT au même endroit. SMALT, SLAM, 27, 25 en N10, formant BOUJA et doublant. Le tirage suivant, là on a plein de solutions en bas, on va jouer 7. Alors en temps normal on devrait jouer pour faire bouger EE s'il restait des lettres, mais là comme on n'a plus de S à mettre au bout, ça n'a aucun intérêt. Donc autant jouer 7 SEPT. Ça favorise aussi la possibilité de jouer ici là sur la case rose. Des solutions à 19 points, même endroit. Lept en M8 fait 18, un double appui.
Le tirage d'après, enfin le coup d'après, hanté et tête étaient à 15, étang à 14, TEND. Et enfin, le dernier coup, glué à 21, soutop moins 1 avec ligand, L-I-G-A-N-D, on verra la définition tout à l'heure. Et à l'uni, gué en K10, K11, ça faisait 19 en formant qui également comme le top. Voilà, alors ça c'était pour les isotopes et sous-topes. Et maintenant on va passer aux définitions. Donc je précise, ce n'est pas une liste exhaustive des mots peu courants de la partie, évidemment. C'est une sélection. Ça n'est pas forcément dans l'ordre d'apparition dans la partie. Et donc je vous en donne lecture en même temps que je vous fais défiler les écrans. Alors, juter, verbe participe passé invariable, rendre du jus. Novi, un nom masculin ou féminin, familier dans le midi, nouveau marié ou nouvelle mariée. Le kea, c'est un perroquet originaire de Nouvelle-Zélande. Swazi, adjectif du Swaziland en Afrique australe. Pict, adjectif et nom masculin d'un ancien peuple d'Écosse. Bitu, avec un ou deux t, adjectif en Belgique, signifie ivre. Martyr, alors je vous l'ai mis, il n'y a pas la définition, mais martyr, avec ou sans e, adjectif et nom pour la personne qui subit le martyr. Et le martyr, les souffrances, c'est un nom masculin avec le e. Déjaunir, privé de sa couleur jaune, participe passé variable, on peut avoir déjauni IE. Oka, un jeu voisin du loto. Blog, nom masculin, donc c'est le blog avec UE ou pas avec UE, ou BLOG. Il y a également le verbe bloguer qui signifie tenir un blog en ligne, participe passé invariable. Le codex, c'était un répertoire officiel des médicaments. Feu, FEU, adjectif, donc féminin E et pluriel S, adjectif littéraire pour dire défunt depuis peu. Lats, unité monétaire de la Lettonie, toujours un S. Le ligand, c'est une molécule ou un ion uni à un atome central. Verjuter, préparer une sauce au verjus, le verjus étant le suc acide de raisin. Cob, avec ou sans E ou avec un K, mais pas KOBE. Antilope d'Afrique. Alors, drayer, DRAYER, c'est la même définition que la deuxième version de dérayer, qui signifie amincir en parlant du cuir. Vitz, en Suisse, c'est une plaisanterie. Petze, participe passé invariable, en Suisse également, coller, adhérer ou traîner. Feuille, un nom masculin, un feuille, FEUIL en technique, c'est un revêtement mince. Le cium est une plante aquatique. Le millard, nom déposé, fibre synthétique de polyester. La myrtale, plante type myrtacée. Ce qu'on précise, myrtacée, c'est une plante dicotylédone, comme la myrte, qui est un arbuste. Le myrte, pardon, qui est un arbuste à feuilles persistantes et à fleurs blanches. Le cagou, avec un C ou un K, un oiseau de Nouvelle-Calédonie en voie d'extinction. Et c'est tout. Donc on en a terminé avec les définitions. On va maintenant passer aux potentialités des tirages. Donc pour ça, je change d'affichage. Alors, le tirage du premier coup ne donnait rien en 7, rien en 8. Et rien en 9. Le coup suivant, il y avait beaucoup de possibilités avec le Joker et EZ là.
Donc je vais regarder ce qu'on n'a pas vu et ce qui n'est pas conjugaison. Refusnik. Voilà, c'est tout. Le tirage d'après, on avait rien en 7, rien en 8. Et en 9, des conjugaisons à rivion, ravirion, revirion, riverion, virerion. Voilà. Rien de folichon. Alors, là, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on n'a pas vu. Raderait, retardé, tarderait. Tricarde. Trimarde. Triandre. Dorerait, redorerait, roderait, départir, perdrait, détruira, et traduire, durerait, on l'avait vu. Voilà, bon, je ne mets pas les 9 lettres parce qu'il y aura trop de possibilités avec les... Dès qu'on a E-R-A-I-T dans un tirage, il y a plein de solutions. Grâce aux conjugaisons, le tirage suivant, rien en 7, rien en 8 et en 9, aquabike sur B et Q. Ici, rien à signaler. Ici, en 7, 8, rien. Et en 9 lettres, publicité. Et là, on a bifurqué. Alors, c'est improbable parce que ça devrait être sur R et Q. Mais RQ, à la suite, ce n'est pas possible. Il n'y avait rien en 7 et rien en 8 sur ce tirage. Ici, on a filmique sur un Q. J'ai pas vu du tout ça. Et en 9 lettres, on va rajouter émulsifia, émulsifié, fulminier, EZ, IEZ. Le coup d'après, le tirage ne donnait rien en 7, rien en 8, et en 9, on avait impulsive. Tirage d'après, larmoyer sur un O, en 8 lettres, et en 9 lettres, on rajoute remblayer et larmoyeur. Gondoler et E sur un G. Délogeons, endolori, solénoïde, en 9 lettres. Solénoïde en électricité, c'est un fil métallique enroulé sur un cylindre provoquant un champ magnétique. Ah oui, le solénoïde. Je connais la chose, mais je ne connaissais pas le nom. Le tirage d'après, bon là il n'y avait rien du tout, ni en 7, ni en 8, ni en 9, à mon avis, même en 10, même en 15, même en 20, il n'y a rien. Le tirage d'après, c'est pareil. Le tirage suivant, de même. Ensuite, alors là on avait en 7, 8, rien, mais en 9 lettres, gouachon, coagulon et couboir. Au pluriel. Ici, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Là, pareil. Ici, idem. Oh, c'est que des tirages à une seule voyelle à la fin. Là, c'est smaltite. Pareil que smaltine. Arsénure naturelle de cobalt. Le bleu de cobalt. Voilà, et donc, on est à la fin là, il me semble. Ici, rien en 7, rien en 8. En 9, pastella et psalette. Pellette. Psalette. Deux L, deux T, école de musique religieuse. On en apprend tous les jours, hein. Je sais pas vous, mais moi j'en apprends tout le temps. Alors ici on avait allège, ENT et gentille sur un I en 8 lettres, en 7 il n'y avait rien, en 9 lettres, agnel, du verbe agneler, égaille, gamelle, gentillet, ET, et le reste allègue,
Et le reste, c'est plus ou moins découlant de des 8 lettres. Ici, Ri en 7, Ri en 8 et en 9, Gallinul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit gallinacé. C'est une poule d'eau. Voilà, la Gallinul. C'est une poule d'eau, non féminin. Et le... Eh ben, c'est le dernier tirage. Donc, il n'y a plus rien après. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette partie, son décodage. J'espère que vous avez appris 2-3 bricoles, que vous avez passé un bon moment. Si la chaîne vous plaît, je vous invite à vous y abonner. Vous cliquez sur s'abonner en bas. Et si vous voulez avoir ces parties-là 14 jours avant tout le monde, eh bien c'est un avantage qui est proposé aux abonnés payants. Membres, donc il suffit de cliquer sur rejoindre et vous avez un processus de paiement qui vous invite à payer 4,99 par mois. C'est prélevé. C'est sans engagement, ça s'arrête quand vous le désirez, vous vous désinscrivez, vous revenez, enfin vous faites comme vous voulez. Nous, ça nous permet de financer un peu tout ça et ça nous fait bien plaisir. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.